personnage, il est là. D'abord, il est grotesque, il fait rire. À la fois, il est appliqué, hein, parce qu'on voit bien qu'il est appliqué. Et au fond, au bout, il produit une petite musique. De rien. C'est comme Alphonse Allais, avec son opéra, sa musique, où il y a des portées, mais il n'y a rien dessus. C'est quelque chose qui a à voir aussi avec l'humour des hydropathes, des outils, tous ces gens-là. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce Beethoven. Voilà. Après, il a attiré beaucoup de monde. Alors, c'est un début, c'est une sorte de serpent. Mais ce qui l'intéresse aussi, ce qui me plaisait aussi, c'était de mettre fictivement à l'intérieur, à l'extérieur, ce qui était l'interdit. Ça aussi, c'est quelque chose qui le fascinait. Et lui, qui venait d'un pays où il n'y a pas de supermarché, d'aéroport, etc. Il pensait aussi à tous ces flux de gens qu'on voit dans les... Si vous allez, par exemple, à Charles de Gaulle, vous avez des espèces de cellules comme ça, où il y a des gens qui passent, c'est aussi ça. Voilà. C'est beaucoup plus subtil que ce qui paraît. Quoi, voilà. Et d'abord, je dirais physiquement, c'est quand même un très bon objet. Alors les gens, pendant tout le confinement, avaient vu décoller les gens se collaient à la vitre pour regarder ce personnage qu'ils trouvaient extrêmement bizarre. Et voilà. Voilà. C'est comment... Alors, je vais encore repaufiner tout ça, repartir, je vais vous faire des fiches encore plus précises et tout ça. Je ferai une conférence sur l'environnement je mettrai d'autres artistes en rapport avec Barbier pour vous montrer qu'il n'est pas tout seul. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que des artistes comme Barbier, c'est des artistes polyphoniques. Il dessine, il peint, il écrit, il colle, il sculpte, il bricole. Voilà. Et les artistes de cette génération, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Boldanski, beaucoup plus âgé, où il y avait surtout Eric Dittmann, qui était très original.